Attention Pioneer. The following instructional video is a summary of your impending duties as an exoplanetary pioneer for Fixit Incorporated. Fixit Pioneers have three cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Chart the planet and gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Expand your factories, outposts, and pipelines through automation and augmentation. That's it. Get to work and be effective. Warning, planetfall imminent. Please remain seated during full procedure. Atmospheric entry in 5, 4, 3, 2, 1. Planetfall procedure initialized. Exploration suit is at 100%. Remember, efficiency first. Godspeed. Welcome to Planet Massage 2 ABB, your designated sector in the binary star system of Akicha. I am Ada, also known as Artificial Directory and Assistant, tasked to support pioneers, such as you, in their mission. You are the third of your sector to survive planetfall. Congratulations. Note: Objective-based introduction initialized. Welcome to Onboarding. First objective, please dismantle the dropod. The resulting materials will be repurposed to construct a habitat and utility base, from now on referred to as the hub. Note, Fixit Incorporated is cost-effective and efficient. We do not waste. Eh bien, salut à tous, c'est Etiam, et on se retrouve sur Satisfactory. Donc, le jeu étant en op Open Alpha, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est une alpha pour ceux qui s'étaient enregistrés. Et pour le coup, j'attendais le jeu depuis longtemps, parce que peut-être que vous me suivez depuis longtemps et du coup, vous savez que j'aimais beaucoup Factorio, par exemple. Et Satisfactory va se baser un peu sur le même système. En gros, on est sur une planète extraterrestre et du coup, il y a des monstres, etc. Enfin, de la faune. Hein. Et de la flore, et va falloir exploiter cette planète, hein, comme vous avez vu dans les petites vidéos qui montraient tout ça. Va falloir crafter des trucs pour pouvoir avancer dans niveau technologie, etc. Il va falloir tout automatiser, etc. Donc après il y aura peut-être un fil rouge, je ne sais pas trop, parce que là le jeu va sortir en early access le 19 ou le 18 mars, dans l'une ou l'autre. Hein. Donc après, pour une early access, il est vraiment très complet, je trouve. Là, on a accès à quelques trucs pour l'alpha. Donc il y a la clause de non-divulgation qui a sauté pour le coup. Et donc je vais pouvoir justement vous faire une découverte. Après, quand le jeu sortira, là je pense vous faire un let's play tout ça, parce que déjà le jeu est vraiment beau. Alors contrairement à Factorio, on est sur quand même du 3D. Enfin bon,
On va voir ensemble un peu tout ce que ça demande. Là, il me demande de démanteler mon pod. Et quand on démantèle quelque chose, on peut récupérer le matos pour le construire. Donc là, de toute façon, ils vont ça va être le tuto. Ma chaise qui grince. To Fixit regulations, every pioneer should have access to a means of defense against extraterrestrial threats. Donc en gros, il faut que j'appuie sur Tab et que j'équipe mon petit taser. Voilà. Parce qu'il faut que je me défende. Please familiarize yourself with the resource scanner to find iron. Note, une petite châtaigne. The of iron is considered essential in preparation for all future objectives. Donc maintenant, il faut que j'acquière de l'iron. Et donc là, j'ai scanné pour choper de l'iron. Alors j'ai soit là-bas 319, 320. Après, la map, c'est toujours la même, mais elle est super grande. Et par contre, on spawn pas toujours au même endroit. Il y aura donc je peut-être aller là-bas parce que là-bas ça me paraît un peu loin. On va voir. On peut récupérer un peu. Entendu les bestioles parce qu'il y a des bestioles agressives, etc. On peut jouer en multi sur ce jeu. Donc là il me dit que j'ai des fleurs qui ont des propriétés, etc. On peut jouer en multijoueur sur ce jeu. Donc ça peut jouer jusqu'à 4. Ça peut même se jouer plus, mais après ils disent que la stabilité sera vraiment amoindrie. Donc c'est pas conseillé. On va mettre un coup de scanner. Ok, c'est par là. Donc là, c'est un gros... Une grosse... Enfin, je sais pas comment on peut qualifier ça. C'est une tête d'oiseau. Et après, bon, bah, ça a le corps bizarroïde. Mais c'est pas agressif. Donc là, il y a des plantes. Ça, c'est pour... Il y a des plantes qui permettent de soigner parce qu'on récupère pas de la vie automatiquement. Ok, donc là il y a des sangliers agressifs. Oula, il m'a foutu un coup direct. Il est où? Ok. Je vais casser sa gueule. On peut récupérer du matos du coup sur les trucs comme ça. Hop. Donc après on pourra analyser aussi les items des monstres et tout ça qu'on va récupérer pour voir à quoi ça peut nous servir. Ok, donc là, on a un gisement d'iron. Donc pour le coup, là il faut que je construise un hub, là il y a un autre sanglier, on va l'éliminer avant. Voilà, allez viens mon gros. Ah, je me suis rapproché trop vite. Alors, t'as fini? Voilà. Ok, c'est fait. Une texture chelou hein. Donc voilà, donc là il va falloir que je commence à construire ma petite base. Alors pour construire, c'est voilà, c'est ce bouton là je vais pouvoir du coup placer mon hub. C'est là que tout va commencer à se goupiller. Voilà, j'ai placé mon hub. Et en gros, c'est lui que je vais devoir améliorer pour choper des nouvelles technologies, etc. Alors, du coup, c'est ce qu'il m'explique. Bon, après, il y aura une version française, hein, parce que j'ai vu dans les options, si je vous montre. Hop, bon, je vais fermer sa bouche. Mais si je regarde dans les options, hein, on voit qu'il va y avoir pas mal de langues, etc. Alors, j'avais mis en français, mais ça ne fait rien. Hop. À moins que ça, non, voilà, ça fait rien pour l'instant. Après, c'est l'alpha, donc je me dis, c'est peut-être pas encore tout à fait réglé, mais ça va venir. En tout cas, déjà, rien que pour tout ce qui est détails et tout ça, il y a une petite tasse là, la texture et tout, tout est vraiment, vraiment super bien fait. Donc, ça, c'est vraiment très plaisant. Et mince, non, on va pas démolir. Et donc, là, on va avoir plusieurs technologies. Enfin, plusieurs tiers de technologies qu'on va débloquer par la suite. Pour l'instant, on n'a que jusqu'au tier 3 hein, pour l'alpha. Là, du coup, vous voyez que ceux-là sont pas disponibles.
Et dans les tiers, vous avez des upgrades. Donc là, il y en a 5, je ne sais pas combien on aura pour les autres. Mais par exemple, là, quand je débloque ça, bah, je vais obtenir des nouveaux crafts. Alors, des nouvelles machines, des nouveaux outils et des nouveaux matériaux. Donc là, ça aura du copper, du cuivre. Donc je vais pouvoir aller exploiter du cuivre et après crafter des trucs par rapport au cuivre. Donc là, il me faut des tubes en acier. Et là, du coup, quand je construis mon hub, j'ai déjà un établi qui me permet justement de raffiner l'iron, le minerai en lingots. Donc hop, juste à laisser appuyer pour lancer le craft. Après, on pourra tout automatiser. Hein. Et après, là, il me faut 10 rods, tout simplement. On va en crafter plus, voilà. Hop, j'ai juste à venir ici, à arriver là, tac, faire cette amélioration là, placer ce qu'il me faut et l'upgrade. Et là, hop, vous avez du coup ça s'est amélioré, ça c'est ça s'est bien amélioré. Ici, j'ai un générateur ici, donc on va en parler juste après. J'ai même un coffre. Donc là, il va me dire, on va quitter. Donc là, parce que du coup, l'anglais, le plus souvent, je le comprends pas non plus extrêmement bien. Il était pas rouge il y a 2 secondes. D'accord, je sais pas, il était rouge je crois. On va stocker ça, on va stocker ça. Ah ça, on va en avoir besoin. Par exemple là, je veux me soigner, et ben je mange ça. Avec ça me met une demi-barre à chaque fois. Hein. Hop, du coup on met ça pour me défendre. Et maintenant, par exemple, là, si je veux upgrade pour avoir encore plus de trucs, il va me falloir du fer, enfin des plaques, du cuivre, donc des petits câbles de cuivre, etc. J'aurai des slots des améliorations de place dans mon inventaire, etc. Donc là, ce qu'il va nous falloir, c'est qu'on construise pas mal de lingots de fer. Donc cette vidéo de découverte, je pense qu'elle sera peut-être en 2 épisodes, hein, parce qu'il y aura pas mal de choses à voir. J'ai des plates, je sais plus combien il m'en fallait, j'ai en crafté 11, voilà. Ça se lance très vite, il faut les laisser appuyer, donc ça peut aller très vite. Voilà, donc on va crafter ça, et maintenant il va falloir du cuivre. Donc déjà on fait ça, voilà, maintenant... Niveau cuivre, il faut que je scanne. Donc si je laisse appuyer sur C, voilà, je peux sélectionner lequel que je veux scanner. Donc là, je veux scanner le cuivre. Donc là, ça a bipé en premier là-bas. Ça veut dire que c'est là-bas, c'est là-bas que c'est le plus proche. Donc on va y aller. Est-ce que je vais pouvoir en redescendre, moi? Ça, c'est quoi? C'est la limestone. Ça, je vais pouvoir en récupérer aussi. J'ai 2 gisements juste à côté. Je sais pas si je vais pouvoir remonter, mais de toute façon il va falloir. C'est par où? Mince. C'est là-bas. Ah, ok. Et là-bas il y a des sangliers encore. Aïe. Ok, on avance. Ça c'est pour soigner. Faut récupérer aussi les matériaux. Là il y a un sanglier. Further analysis required to establish object scanner identification. Prends un coup de taser, toi. Voilà. Voilà. Coup de taser dans ta face. Ok, on récupère ça. Du cuivre. Donc je peux encore exploiter la mine. Mais du coup, on est passé de... d'un gisement pur, un gisement où où on est en normal, du coup je peux en avoir beaucoup moins. Ma base elle est là derrière ça. Faut que je trouve comment remonter là-bas, je crois que je peux remonter. Là du coup tout ce que je récupère ça va me servir, vous allez comprendre pourquoi, c'est en gros de la biomasse, ça va me servir de carburant, parce que du coup il va falloir, quand je vais construire des machines automatiques, etc., il va falloir de l'énergie. Donc déjà, on va déjà pouvoir se crafter les petits wires. Donc il en faut 50. Ça va, ça se craft en plusieurs fois, donc ça va ça. Hop. Il m'en faut 50.
un lingot de cuivre pour 3, donc ça va. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Et du coup, c'était ça que j'avais changé. Ah, c'était en rouge, non, tout à l'heure, je sais plus. Je crois que c'était en rouge. Tac, donc là, il me faut les plaques, les tubes et les câbles. Je grade, donc au début, ça va être beaucoup de ça, beaucoup de formes, etc. Et dites-vous que vous pouvez le faire à plusieurs. Donc hop, ça s'est amélioré, tranquille. Oui, c'était en rouge. Oui, c'est bien en rouge. New buildings and blueprints. Et tout à l'heure j'ai fait ça. D'accord. Seventh objective: hub upgrade, conveyor belts. Peut-être un bug. Use power poles to expand the power network for optimal results. Note: constructors are capable of constructing copious parts of which only one type at a time. D'accord. Donc il faut que je construise. Comment ça, faire Mars. Pourquoi j'appuie sur F à chaque fois? Que je commence à construire tout ce qui va être automatique. Donc là, si je regarde dans mes constructions, j'ai un smelter, j'ai le workshop, ça c'est pour construire. Non, équipement workshop, non, ça c'est pour que je fabrique des trucs. Et là, c'est le constructeur. Donc équipement workshop, il me faudrait du fer et enfin des plaques de fer, des plaques d'acier et enfin de fer et des tubes en fer. Donc on va essayer de se crafter ça, mais j'ai plus de fer, je crois. Non, j'ai plus de fer. On va aller là-bas. J'aurais dû en récupérer assez pour pouvoir tout faire. C'est rigolo, quel jeu de mots. Tac. Donc on va en récupérer. Et vous allez voir que je vais pouvoir commencer un peu à automatiser tout ça. Donc déjà, je vais vous montrer, alors j'irai farmer un petit peu hors caméra pour que ça aille plus vite, parce que du coup, là, le plus intéressant, c'est vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire. Donc là, je vais juste vous montrer le workshop, justement. Donc ça, hop, on craft. Il m'en fallait 10, mais il va falloir aussi des iron tubes. Hop, donc là, il m'en faut 10. Ouais, c'est bon, ça m'en fallait aussi 10 aussi, si mais je dis pas de bêtises. Le workshop, oui, c'est ah non, c'était 6 qu'il me fallait. Donc là, on va se coller ça, on va se coller ça comme ça. Ah bon, après, on pourra toujours déplacer les trucs pour pouvoir les mettre bien, etc. et s'organiser, hein, parce qu'on peut tout démonter, tout récupérer, tout ce qu'on a besoin. Donc là, je peux crafter des mineurs portables. Et après, je peux aussi me recrafter aussi mon arme de corps à corps. Donc là, le mineur portable, il me faut des câbles, enfin des petits fils et des câbles. Donc on va recrafter ça. Et déjà, vous allez voir que déjà, oh, c'est pas possible. Ça va permettre déjà d'automatiser d'un certain point la récolte. Et je dis que d'un certain point, hein. Donc hop, j'en crafte pas mal, parce qu'il m'en faut aussi pour crafter ça. Je sais pas si j'ai assez, si je crois. Je crois que c'est amplement suffisant, donc je peux en crafter un. Voilà, donc ça met plus de temps à se crafter. Hein. Voilà, donc j'en ai eu un. C'est good. Du coup, si je le prends, je le mets dans mes mains. Donc hop, j'ai un mineur portable. Et là, je vais pouvoir le poser ici. Il va se déplier. Alors ça, c'est vraiment top ici. Hein. C'est un petit robot. Hein. Il a un œil. Enfin, il a plusieurs yeux. Hein. Voilà, il se met en place. Et il va commencer à extraire du métal pour moi. Et du coup, là, il va avoir une réserve. Donc, il a une réserve de 100, je crois. Et là, il en mine un par seconde. Donc après, j'ai juste à revenir et à récupérer ce qu'il a sur lui. Donc je vais farmer un peu, je vais construire des trucs comme ça pour exploiter le métal, et après on va commencer à parler d'automatisation. Donc me revoilà, alors du coup vous voyez qu'il y a un cycle jour-nuit, là-bas il y a un truc qui vole, je sais pas trop ce que c'est, ou alors non c'est peut-être une plante tout simplement, il y en a plusieurs là-bas également. Donc bon, il y a pas mal de faune etc, et il y en aura aussi par la suite. Il y a aussi des objets à récupérer, là si vous regardez, il y a un petit truc qui brille au milieu, vert là-bas, c'est des monstres, enfin là par exemple je crois que c'est une sorte de gros ver qui est une dépouille de gros ver qui est fluo. Moi ce que j'ai eu c'est une pierre là,
une Summers Loop Whip, un truc qui est assez radioactif, mais on va pouvoir l'analyser par la suite. Donc il y aura des trucs clés à récupérer dans la map, je pense. Là, on va restocker ça, limestone que j'ai récupéré juste à côté, on va stocker ça. Ça, on va en parler juste après. Donc j'ai farmé un petit peu, j'ai mis en place des foreuses. J'en ai mis deux ici, donc sur le fer, et une sur le cuivre plus loin. Et du coup, là, par exemple, elle s'est arrêtée parce qu'elle arrivait jusqu'au maximum. Là, si je récupère le fer, paf, elle va redémarrer, tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est que je vais pas prendre la suivante, parce qu'on va faire autre chose pour automatiser la fabrication de lingots. C'est simplement en commençant à crafter un smelter, donc un four. Donc là, il me faut juste des tubes en acier. Hop, c'est ce qu'on va faire. On va me faire enfin des tubes en fer, voilà, en métal. Hop, on va se recrafter un peu de wire. Hop. Donc déjà, on va commencer à construire ça. On va commencer à faire une petite automatisation. Qu'est-ce que t'as, toi? T'es rigolo, toi? Il a peur, toi. Il a peur, lui. Je l'ai je pouvais le caresser ou je sais pas quoi. Ok, on aura peut-être un pet. Peut-être le moyen d'avoir un pet. Donc là, un smelter. Donc on va le mettre par ici. Donc vous voyez que maintenant il y a une petite un petit icône d'électricité, donc ça veut dire que ça marche avec l'énergie. Il y a une entrée et une sortie, donc en orange c'est l'entrée, en vert c'est la sortie. Donc on va le mettre face ici, voilà, on va se rapprocher un peu, on va le mettre là, hop. Donc déjà on va en faire un, ça se construit, poum, j'ai ça, et par exemple maintenant, si, mince, si je vais dedans, eh ben, je peux lui dire de faire soit du copper, soit du métal. Donc pour l'instant, j'ai que ça, parce que par la suite, j'aurai d'autres choses. Donc je vais lui dire de faire du métal, je vais lui mettre du métal dedans. Bon, là, rien ne se passe, c'est normal, il a besoin d'énergie. Il craft en 2 secondes, il en fait donc il en fait 30 par minute, et il a besoin de 4 mégawattheures, je pense. Donc il me faut de l'énergie. Donc on va voir justement voir ça. Le hub de base, quand vous l'améliorez au niveau 2, vous avez vu qu'on obtient un biomasse burner. Donc là, il va me falloir que je l'alimente. Et avec ça, c'est vraiment pas possible. Hein. Avec ça, il me faut que je mette de la biomasse. Donc soit je peux lui mettre des feuilles ou du bois que j'ai récupéré. Mais soit je peux aussi très bien créer de la biomasse. En gros, c'est vraiment de la tas de feuilles vraiment optimisées, enfin séchées, etc. Donc c'est plus optimisé pour servir de carburant. Donc on a converti ça. Maintenant on va lui mettre ça dedans, et vous allez voir qu'il y a tout, une animation à chaque fois pour tout. Il y a la jauge d'énergie ici qui me dit que c'est en rouge, donc ça veut dire que c'est pas, il y a un problème électrique. Là c'est en vert, donc tout va bien. Là vous voyez que du coup ça lâche les plantes qui sont broyées là-dedans, et puis ça crée de l'énergie. Enfin bon, ne me demandez pas comment ça marche, hein. Je suis pas dans la machine. Donc là ça crée de l'énergie, tranquille, mais il va falloir que je la relie. Donc je pourrais très bien la relier. Alors pour la relier, c'est close. Comment je dois faire? C'est ça, ah voilà, c'est mon raccourci. Donc il faudra que je pose des pôles, parce que du coup j'aurais pas assez pour aller jusqu'à là-bas. Les pôles, j'ai ce qu'il faut, donc on va câbler ça. Hop. Et les pôles aussi, ça sert à pouvoir câbler plusieurs trucs, hein. Parce que là, du coup, si je viens ici, si je fais... comment on fait? C'est marqué là, hop. Ah non, c'est voilà, c'est ici. Hop, si je prends ça et que je le relie, ah, il me manque un câble. Ok, il me faut un câble pour faire ça, donc je vais pouvoir les relier. Donc il vous faut à chaque fois des matériaux pour crafter, pour faire tout en fait. Mais à chaque fois que vous bougez quelque chose, vous récupérez les matériaux. Donc ça, c'est cool. Donc là, hop, je peux relier un câble ici à là.
Alors, je pense que par rapport à la longueur du câble, il y a ça me coûtait une quantité de câble spécifique. Là, vous voyez que quand je suis dessus, ce truc-là peut en avoir 4 câbles. Celui-là ne peut avoir qu'un seul câble. Les machines peuvent avoir qu'un seul câble. Donc, si par exemple je fais ça et que je vais relier jusqu'à là, voilà, ça m'en demande 3. Bon, après, c'est pas ouf. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser un pylône ici. Parce que de toute façon, j'aurai d'autres machines à côté. Et donc, je pourrais relier ça plusieurs fois. Donc, ça sera quand même plus intéressant. On va même s'en remettre un. Voilà, ici, ça n'est pas perdu. Voilà. Après, je pourrais mettre mes machines. Et là, on le relie. Et donc, maintenant, c'est relié à énergie. Voilà. Enfin, c'est pas ça. Voilà. C'est relié à énergie. Et maintenant, ça va me créer, justement, mes lingots. Voilà, donc après je peux les récupérer. Et donc là, de façon automatique, ça me crée mes lingots. Donc après, je peux tout à fait poser également un autre ici. Donc là, vous voyez qu'il y a une petite barre bleue qui se met. C'est parce que ça veut dire que c'est aligné sur la même grille. En gros, leurs centres sont alignés. Donc, bah, c'est ce qu'on va faire. On va même le resserrer un petit peu. Alors, snap. Voilà, snap sur la ligne de guide. Donc c'est justement ce qu'on va faire. Hop, voilà. Je vais également placer un autre pylône. Alors du coup, bon, c'est peut-être pas rentable. Hein. Je vais me faire des pylônes, etc. C'est peut-être pas rentable ce que je fais là, mais ça me servira par la suite. Je pourrai bouger et tout ça. C'est de... En gros, pour pouvoir m'y retrouver peut-être un petit peu plus facilement. Par exemple, si je fais ça et que je viens me mettre un pylône là, à peu près ici. Voilà, ça m'a coûté de câbles également. Et là, j'ai plus de câbles du tout. Donc, il va falloir crafter tout ça à chaque fois. Hein. Hop. Donc, à chaque fois, j'appuie sur échappe, mais échappe, ça marche pas comme ça. Hop. Et donc maintenant on va relier ça à ça et ça à ça. Voilà. Et donc lui, on va aller récupérer le métal qui est ici. Par la suite, je pourrais mettre d'autres mines ici qui ont une sortie. Parce que vous avez vu qu'ils ont une entrée et une sortie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir leur mettre des convoyeurs justement pour... leur dire d'aller chercher ça, enfin de leur amener les ressources directement et leur dire de crafter ce qu'on a besoin. Là justement c'est ce qu'on va faire, c'est que ici j'ai besoin par exemple, je vais faire un constructeur. Donc le constructeur il me faut des câbles. Donc on va prendre un constructeur, on va faire des câbles. Si je regarde le constructeur, il me faut aussi des plaques renforcées. Des plaques renforcées, donc il me faut des plaques comme ça, je crois, non? Ouais, il me faut des plaques comme ça, plus après du crew. Donc ça c'est tout plein de vis, etc. Il me faut des rods. Donc il y a une logique hein, dans le jeu, hein. On voit que du coup les rods sont faits à partir de tubes. Enfin, ça me paraît assez logique. Voilà, il me faut encore des plaques. Voilà, je crois qu'il m'en fallait 4. Hop, si je regarde maintenant ici. Ouais, non, il m'en fallait même 3. Donc ici, on va prendre ça. On va se mettre sur la line. Voilà. Alors ça, si j'appuie sur CTRL, ça met directement. Donc on va l'espacer un petit peu, juste histoire de vous montrer un peu plus de choses après. Mais après, il faudra optimiser. On pourra faire des étages, etc. Tout est prévu pour vraiment... pouvoir faire d'immenses stations vraiment. Et donc après il faudra calculer par rapport il y aura sûrement des machines pour où il va falloir plusieurs matériaux pour fabriquer un truc, parce que là par exemple il faut si j'arrive là et que j'arrive ici, là ça me fait des trucs simples. Donc par exemple je lui dis je veux que tu me construises des rods, et ben du coup il lui faut du métal. Et ça se trouve, par la suite, il faudra que je veux crafter quelque chose et il me faudra plusieurs matériaux. Donc, il faut, ça sera peut-être des machines avec plusieurs entrées ou des trucs comme ça. Mais voilà. Du coup, là, elle me craft des rods
automatiquement. Donc après, il faudra juste que j'aille les chercher, tout simplement. Hein. Après, bon, il y aura beaucoup de choses à faire. Il faudra amener toutes les ressources à un point pour les emmener à un autre. Mais vous voyez que déjà, tout est prévu déjà pour pouvoir avoir une verticalité, etc. De toute façon, on verra ça ensemble par la suite. Alors, si c'est pas sur la découverte, ça sera peut-être sur le let's play. Du coup, maintenant ce que je vous ai montré, ça, moi il me faudrait que j'améliore ici justement pour avoir les convoyeurs, les fondations, etc. C'est pour pouvoir mettre tout à plat, les rampes pour vous faire des accès plus facilement. Là, si je veux améliorer, il me faut des plaques. Donc on va justement lui dire de crafter des plaques plutôt. Hop, on va récupérer ça, on va le mettre en stand-by, récupérer ça, on va lui dire de faire des plates. On va le rallumer. Voilà. Et on va lui remettre ça du coup. Hop. Là pareil, eux ils doivent avoir. Voilà, ils en ont déjà crafté pas mal. Il va falloir que j'aille récupérer du cuivre aussi également parce que j'en ai plus. Donc là ils me les craftent hein, tranquille. Il m'en faut 75, donc c'est pour ça qu'il va falloir commencer à faire que ce soit les machines qui construisent à votre place. Parce que rester appuyé pour crafter tout ça, c'est vachement long. Tout par exemple pour les plaques raffinées là. Là il me faudrait quoi, il me faudrait ça pour en crafter hop, pour en crafter une. Et donc les plaques raffinées c'est bon. Il me faut quoi également, il me faut encore du concrete. Le concrete il me faut de la limestone. Hop, donc on récupère ça. Bon, je pense qu'on va s'arrêter sur justement l'upgrade et puis les convoyeurs, et puis après je vous referai une autre vidéo où j'aurai un peu plus avancé pour vous montrer un peu comment ça va devenir par la suite. Tac, je pense que j'en ai assez. Hop, voilà, bon, oui, largement assez, mais il fallait plus que deux. Ensuite il me faut 5 autres câbles. Ah, donc il faut que je crafte ça. Voilà, je peux me les crafter. Voilà, on s'en a crafté. Là, on va aider un peu. On va se crafter un peu tout ça à la mano. Hop, on va aller voir la machine combien elle a crafté elle. Hop, on a déjà 23. Je suis à 56. Bon, ça va vite. Hein. Vite, là il y a une grosse bébête qui vole, hein. Je sais pas du tout ce que je pourrais en faire par la suite, hein. On verra bien. Donc là on en craft plus, voilà, 75 c'est good, et on va pouvoir faire ceci. Non c'est pas, voilà, hop, hop, il me faut ça et il me faut les câbles, et on améliore. Voilà, on a amélioré, donc hop, ça sera en force, c'est un peu plus beau. À l'intérieur, je commence à avoir un bon petit design, etc. Bon, tais-toi. Je suis en train de parler, donc là, ça commence à être à ressembler à un hub, etc. Par la suite, je vais choper également un autre burner, parce que les burners, si on regarde, ça crée que... comment dire, ça crée production et tout ça. En gros, il y a un maximum, voilà, capacité de 220 MWh. Et donc, je peux pas mettre trop de trucs qui consomment. Je peux pas dépasser justement la consommation, sinon ça va lâcher. Donc, il faudra que je répartisse mes machines sur sur plusieurs sorties d'énergie. Donc, après avoir si... sur la même ligne, si on peut injecter deux fois plus d'énergie pour justement en sortir plus deux fois plus par la suite aussi. Alors si je veux faire les là par contre j'ai des trucs de convoyeurs, si je veux faire les convoyeurs, voyons voir, ça va me coûter quoi, des plaques, parfait, parfait, ça me coûte des plaques. Et du coup là justement c'est la partie qui va être la plus intéressante. Alors ça c'est quoi? Ça, je sais pas du tout. Ah, c'est peut-être juste pour les tenir. Juste pour les tenir. Donc là, je peux faire un convoyeur. Donc vous voyez que du coup, je peux
le tourner comme je veux. Ah, il va, ça va me demander plus de trucs au final. Demander des plaques, des sacs de concrete. Donc on va aller en crafter. Au final, ils m'ont menti. Hein. Hop, alors. Ah oui, il faut aller s'appuyer. Et ça me demande ça. Ça me demande aussi des câbles. Si je dis pas de bêtises, j'en ai encore 6. Ouais, c'est bon, j'en ai crafté assez. Là, lui, il a dû m'en crafter des plaques. Voilà, 12. Très bien. Là, tiens, je voulais tester ça. Alors, si je le mets comme ça et sur la ligne. Justement. Voilà, j'ai crafté ça. Et maintenant, si je fais ça, ouais, donc c'est pour vraiment pour les poser. Parce que là, ça coûte que des plaques. Ouais, donc non, ça coûte quand même autre chose. Hein. Donc hop, je les mets là. Et pareil, là. Après, vous voyez que du coup, ça se... Il n'y a pas de problème de, de faire quelque chose de trop carré. Ou quand on a vraiment... je sais pas, des parties pour tourner, des parties pour... tourner ou pas en fait hein. Et du coup là en fait c'est très flexible, on pourra aller les emmener en hauteur etc, donc c'est assez plaisant. Et donc là voilà, donc là je suis en sortie, ça veut dire que quand lui va faire du fer, mais pour l'instant lui il a pas de fer, donc on va lui en mettre, la crée du fer et le fer va sortir et là, directement dans le constructeur que lui il a besoin de fer justement pour crafter les plaques. Donc ça c'est cool. Là si je lui dis par exemple de me crafter ça, hop, là il va reprendre et il va justement récupérer le fer qu'on lui donne pour crafter ce que je lui demande. Donc après je peux très bien en faire une pour le cuivre, une pour encore avec le fer mais pour me faire autre chose. Et par la suite, après je ne sais pas du coup là si je lui demande. Là par exemple je peux pas lui demander de faire les trucs les plates. Les plaques renforcées, parce que les plaques renforcées, comme je vous ai dit, ça demande plusieurs trucs. Hein. Si on regarde ici, ça me demande 2 ressources. Donc vu qu'il n'y a qu'une seule entrée, on ne peut pas lui mettre plusieurs ressources. Donc on va sûrement en choper une par la suite. Donc moi, ce qu'il me faut pour monter en upgrade 4, c'est pas mal de trucs, 100 plaques, 75 comme ça. Donc vous voyez que ça devient de plus en plus gourmand. Et donc forcément, eh ben, on va avoir besoin de plus en plus de ressources et qu'ils se fassent automatiquement. Sinon, vous allez finir par ne plus pouvoir vous en sortir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la découverte vous a plu. Je vous prépare une autre vidéo pour parler un peu plus de tout ce qu'il y a. Et de tout ce que déjà on va pouvoir faire dans l'alpha, enfin dans l'early access, sachant qu'il y aura tous les tiers qui vont être disponibles. C'est pour ça que je vous dis que déjà là on a de quoi déjà s'amuser, et encore on va avoir encore énormément plus de trucs à s'amuser. Là je vais pouvoir faire un élévateur etc, enfin voilà, ça va demander énormément de ressources. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour d'autres plus de gameplay sur ce jeu.